Alors nous sommes sur la plage Lirateta, qui est un centre d'accueil et de loisirs estival et qui permet d'une part de proposer un tas d'activités, du kayak, du paddle, de la planche à voile, des jeux évidemment de plage, de la musique puisqu'on peut faire de la zumba, du hip-hop selon l'âge des enfants. En fait, c'est une plage où on propose une multiplicité d'activités pour des enfants de 3 à 17 ans. La plage Lirateta existe depuis 5 ans et toutes les activités effectivement se sont enrichies d'une année sur l'autre. On en propose de plus en plus, notamment parce qu'on a installé des jeux spécifiques et on a évidemment des moniteurs qui sont formés pour les accompagner dans toutes ces activités. Alors on a déjà un bilan sur le mois de juillet, puisqu'on a trois secteurs ici sur la plage. On a le centre d'accueil qui accueille les enfants des centres de loisirs. On a le club qui accueille des enfants à la demi-journée ou à la journée. On a aussi des enfants qui viennent en stage pour une semaine complète. Et donc en gros, nous avons près de 5500 enfants qui ont été accueillis pendant ce mois de juillet. Oui, on a une priorité à la ville de Nice qui est la sécurité, évidemment, pour toutes les activités. Par exemple, l'autre jour, quand il y a eu le coup de vent, on a fermé les structures gonflables, bien sûr. Et on a aussi une volonté, avec ma collègue Marie-Claire Lelouch, qui est en charge, en particulier, de l'accueil de loisirs, c'est de permettre aux enfants handicapés, et pour cela, on a le centre des Coccinelles, de participer et d'avoir eux aussi des activités.